Les gens. Alors, bah voilà, deuxième épisode de Sport. Et c'est parti, on va aller sur la planète SLT, c'est vrai, avec la créature sous 6. Parce que voilà. Alors nous voilà, on s'était quitté ici avec mon monsieur très monsieur. Ah oui, il fallait aussi trouver de nouveaux éléments pour évoluer et tout. Tiens, il y a des gens là-bas. Est-ce que je peux leur parler? Oui, je vais déjà prendre cet élément-là. C'était quoi ça? Eh les crocus! Et c'est parti, on va rechanter. Oui, c'est assez simple lorsqu'on est herbivore plutôt que lorsqu'on est carnivore. Lorsqu'on est carnivore, en fait, il faut tuer toute la troupe. Et c'est dur. Voilà. Aïe! Eh, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Eh! Tiens. Non, non, je vais me casser. Pépère, putain. Arrêtez! Oula! Oula, voilà, c'est bon, je suis bien ici. Allez, venez là! On va aller revoir les gens là-bas. Parce que là, j'avais une troupe sur le cul. Je sais pas du tout ce qu'ils voulaient. Alors, bonjour les crocus. On va continuer les champs. Vous n'avez appris que ça, bande d'abrutis. C'est bon, j'ai un nouvel ami. On va voir s'il y a d'autres gens à qui je pourrais dire bonjour. Des tococats. Je sais pas si je suis assez entraîné pour chanter avec eux. Alors, ils ont la danse. Bon, bah, je vais essayer. On sait jamais. Bonjour le tococat. Ah mince! Non, il faut danser. Hein. Voilà. Lol. Ah, là, il faut plus que chanter. Ok, normalement, je peux être ami avec eux. Si tout se passe bien. Ok, c'est Pépère. Un nouvel ami. Enfin, des nouveaux amis. C'est Pépère, très Pépère, c'est Pépère, très Pépère, c'est Pépère, très Pépère, c'est Pépère, très Pépère. Mais c'est qui, ici, là? Parce qu'on voit des espèces de... les gens... Ah mince, bon bah ok. Oh, si, il y a plein d'objets. C'est souvent lorsqu'il y a plein d'objets comme ça qu'on trouve des ogres. Ça veut dire des monstres géants. Et ça a 1000 points de vie, c'est hyper fort. Ça te tue en un coup, n'importe quel niveau que tu as. Enfin, si t'es au niveau maximal, il te tue en deux coups. D'accord, le deuxième, bah c'est chaud. Des noogies. Bah, on va aller voir ces noogies. Les noogies ne m'aiment pas. Écoutez, les gars, je veux être votre ami. Et on chante. Comme ça, on devient ami. Ok, c'est Pépère. Ça en fait un. Le Noogie Alpha. C'est plus dur, les alphas. Ok, c'est Pépère. Ça se fait... On va aller voir un autre Noogie. Un Noobie, plutôt. Ah oui, c'est les arbres très, très, très vieux. Il n'y avait pas des objets. Comme ça, je pourrais évoluer. Alors, on peut prendre aussi des bâtons et s'amuser à les jeter sur les gens. Mince, je peux pas. Ah, normalement, on peut jeter les bâtons sur les gens. Je vois un peu plus comment il faut faire. Bah, je vais le reprendre comme ça. Hop. Ouais, je veux le prendre. Voilà. Un crocanard alpha. Bah, je vais pas lui dire bon. Je vais pas essayer d'être son ami parce que c'est un peu tôt. On va aller plutôt voir notre meute. On peut voir les spitoons ici. Alors bonjour les spitoons. Bonjour mes amis. Et voilà, je suis chez... Mais y a personne. Bon, écoutez. Je vais poser mon bâton. Voilà. Alors les bâtons ne servent absolument à rien. Je sais pas pourquoi ils sont là. Quelle est leur existence, etc. Ah, j'ai un saucisse qui veut copuler. Alors on va copuler mon saucisse. Nous y voilà. Alors notre belle créature, très créature. On va lui rajouter des défenses parce que là, il faut qu'il défense tout en fait. Est-ce qu'on va remplacer sa bouche? Oui, allez. Il faut que ce soit une saucisse, hein. Donc du coup, on va lui tromper. Voilà, ça c'est beau. Et au niveau des yeux que j'avais retiré, malencontreusement, on va mettre les gros yeux. Voilà, comme ça. Voilà, c'est beau. Ah oui, je peux lui rajouter le lance-poison. Voilà, comme ça. Il pourrait, une fois de plus, cracher des deux côtés. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je peux... Ah oui, je peux lui améliorer les charmes. Au niveau des mains. Ah, j'ai de nouveaux mains pour améliorer la pose. Donc voilà, j'ai pose niveau 3. Sauf qu'il a l'air con. Je vais lui mettre des pigeoniformes à la place de ces espèces de machins, comme ça. Je le fais grandir, comme ça. Comme ça, il est grand. Ah, on peut lui mettre les 3 orteils pour qu'il danse mieux. Voilà. Enfin, je peux lui. Enfin, c'est vous pouvez pas jouer. On va pas lui mettre écarté.
au niveau de la longueur, ça va. Et de grosses griffes, comme toujours. Est-ce que je vais lui améliorer les bras du genre costaud? Bah tiens, je vais mettre costaud. Pouf. Sauf que là, il a des espèces de cils vibratifs qui restent là. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Comme ça dépasse pas et tout, c'est bien. Donc du coup, je replace les mains et le truc pour charger. Et c'est les pédicules. Je pense que j'aurai plus l'occasion d'être ami avec des gens plutôt que de me battre. Bon bah voilà, le niveau de la couleur, on va laisser comme ça parce qu'elle est bien comme ça. Avec les écailles et tout. Ouais bah ça revient. Par contre, il est pas assez redressé. Je la remets bien. Et voilà, il a un très long cou. Ce qui est marrant. Si je lui place la bouche, hein, idée de malade. Ici. Concept. On va le laisser ici parce que voilà. Est-ce que je rajoute des trucs comme des trucs comme ça? Ah, il y a la migration. La migration, je dois aller dans un nouveau nid. La cinématique. En fait, la physique du truc, ils ont vraiment bien tout fait pour que chaque mouvement, ça, enfin, ils ont réussi à s'adapter. Je ne saurais expliquer ces mouvements déjà. Alors, je vais recruter lui, comme ça, il sera dans ma monde. Ah, c'est parti. Alors, bonjour. Alors, on va chanter. Alors, chantons. Comme ça, tu seras dans mon groupe. Et c'est parti. Alors du coup, il sera dans ma bande et nos trucs de recrutement là. Vous savez, lorsqu'il faut chanter, etc. Et ben, il sera amélioré. Et donc du coup, bah, il aura deux fois plus d'efficacité. Par exemple, s'il y en a un qui sera tout seul, enfin, si on veut recruter quelqu'un qui est tout seul, ce sera beaucoup plus facile. C'est quoi ça? C'est des espèces de pans croisés avec des je sais pas. Je vais essayer de les recruter, tiens. On va voir, on ne sait jamais. Bonjour, je voudrais vous recruter. Ils font un drôle de bruit quand même, ces espèces d'oiseaux. Attends, ça marche pas. Ils sont trop forts, ils sont trop forts, j'arrive pas. On va dire que c'est un échec. Il y a des oeils gras. Je sais pas quoi là. Je vais les recruter parce que normalement ce sont des méchants mais comme je vais les recruter, ce seront des gentils. Alors bonjour, je voudrais devenir votre ami même si vous m'aimez pas. Alors on va chanter. Oh, quelle efficacité! En un seul coup, quoi. Et voilà, c'est pépère. Des lascarpes. Je vais pas tout de suite m'en charger. Oula, oula, oula. Eux, ils sont très méchants. Ce sont des méchants très méchants. Il faut fuir, il faut fuir. Mais j'ai fui, bande de... Mais non. Attends. Arrêtez. Je ne vous veux aucun mal. C'est vous qui foncez sur moi, bande de... J'adore cette insulte, bande de... À utiliser chez vous, d'ailleurs. Oula, on est à côté de méchants. Alors on va s'en occuper après. Eux, c'est des très méchants. Des méchants très méchants. Je pense que je suis mal entouré. On voit les saucisses ici. Alors voilà, la phase créature, en fait, ça se résume beaucoup à ça. Ramasser les objets qui sont par terre pour débloquer de nouveaux trucs. Et ces nouveaux trucs nous serviront à rencontrer, enfin, à avancer. Soit dans le bien, soit dans le mal. Là-bas, il y a des gens, et ce sont des gentils, alors on va aller voir. On pourrait s'amuser et chanter ensemble. Ok, c'est pépère, on va aller demander à quelqu'un de...